C'est un frisbee, je sais pas, c'est Ouais, c'est ça. mais c'est un perso qui connecte beaucoup avec pas mal de combos, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, bah, c'est cool, il y a un peu de symbolique. En mode, tu vas poser un autre jeu fin de terrain. Et après, tu vas faire tes petits setups et machin. Et tu vois, c'est vachement un turtle, en fait, tu vois. Ouais. Allez, Jasper, Miss Squad, on est parti. Là, ça va cogner. Bah, avant que Alors, tu craches. Jaspen, je connais pas du tout. Jasper, c'est un Lorrain, hein, un des Ouais. meilleurs joueurs de Lorraine. Il joue Mario, C'est un comme tu peux Mario le voir. vénère, hein. Ouais, j'aime pas les Mario style vert. Les gars, c'est Mario Luigi, il faut choisir, les gars. On Ouais. est quand même parti. Ça fait 15 secondes de jeu. Et déjà, un petit kit pour Disco. Le kit maléfique de Disco, comme d'habitude, évidemment. Son perso depuis un certain temps maintenant. Avant, je jouais Game & Watch, même du kit maléfique. Il veut du neutral, il veut du smash. Il y a marre de perso des villes. Kit maléfique. Pour l'instant, il est en place. Son ledge frappe aussi, même s'il a. Attention au reverse. Avec Jazz qui prend le lead. En tout cas, sur l'avantage positionnel. Ok, on revient. Attention aux derniers jeux de Mario, c'est super fort. On va tenter le smash qui va pas être trouvé, c'est dommage. Et là, le ladder combo qui va pas tuer encore. Il va pas encore tuer du merci. Attention, DI out, c'est très bien de la part de Disco. Là, ce qu'il y a, c'est que Disco, on m'entend pas assez. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en branle. Non, c'est sinon, je le tiens. Oui, non, mais c'est bon, voilà. Normalement, Ok, impec. Ouais, c'est bon. Et on a cette fois une patate garde de la part. On a un left trap, pardon, de la part de Jazzpunk et Disco qui rate sa rico. Ça fait déjà une petite vie d'avance pour Jazzpunk au bout d'une minute 20 de jeu. Pardon, je me suis défoncé un peu tout seul pendant quelques secondes. Et attention là, Oh là là, ça on va commence. tous faire gratter là. Mario, ça, avec Mario, ça va très très vite. Ça va très Ah, très il vite. te donne trop. Repère. Faire. Ça peut être Laisse très vite. tomber. Là, on remonte, ouais, on remonte, et non, Ouh, que. on remonte pas. Ok, et Disco qui, évidemment, qui fait un petit nom de la tête. Disco qui est un peu déçu, mais faut rester dedans. Et Il faut rester Jaspion dedans. qui prend sérieusement le lead. Hein, Il prend pour trop ce... vite. Mais ce n'est pas fini. Hein. Dans Smash Bros, vous savez, tout peut arriver. Et puis, bon, quitte à perdre la game, on se prend des infos sur son adversaire, sur son jeu, sur ce qu'il fait. Exactement, D'habitude. ouais. La collecte d'informations, c'est très important. Ouais, exactement. Disco, en plus, on sait que c'est un joueur qui sait vraiment s'adapter. On est en joueur semi quand même, là. Disco, derrière sa perruque, je le soupçonne d'avoir plein de Sharingan. Il collecte toutes les informations et après il va les utiliser contre toi. Ouais, c'est ça, Donc c'est tu ça. verras que le Disco de la deuxième game, il n'aura rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Ouais, c'est un joueur qui a une grosse capacité d'adaptation. Là, en plus, on est au top 4. On joue littéralement pour la thune. Hein. On joue littéralement pour la thune. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, cette game ne devrait pas échapper à Jazz, je pense. Là, on est peut-être remonté. Là, n'importe quel up smash de Mario peut tuer. Et on sait que l'up smash de Mario est particulièrement redoutable. La preuve, on a déjà ici qui peut en abuser, c'est quand même 5 ou 6. C'est méga fort, Voilà. dites le chat si je me trompe. Et là, Disco qui a du mal, Disco qui a du mal à trouver l'ouverture. Là, il y a le fer qui passe parce qu'il y a des bons disjoints dans les airs. Et ça suffira pas en fait, c'est ça le souci, c'est que ça Oh suffit là pas. là, la backstroke qui va. Ah non, la Il bonne me attaque. semblait, hein, laisse. Il n'y a pas de kick trop Mario. Encore heureux, il a déjà tout le reste qu'il peut tuer. Et le smash. Le coup de boule à la Zidane, hein, on Ouais. connaît. Lui, c'est comme Luigi, tu lui attaques son shield si tu prends un coup de tête. Ouais, exactement. Exactement. Et il y a un truc, c'est que bah, Disco, il a été mis à mal notamment par sa SD. Ouais, c'est vrai. Hein. Psychologiquement, c'est dur de revenir après ça, hein, mentalement. Ouais, pas un SD. Enfin, c'est une phase déjà, tu vois. Ouais, Mais tout à fait. Ouais. c'est une phase Non, c'était. SD. Mais bon, comme on l'a Une dit. extension? Ah, ok, pas bien. Comme on l'a dit, Disco, la deuxième game, c'est plus le même Disco. Et on va le voir tout de suite. On va voir comment Disco va s'adapter. Disco, la deuxième game, c'est Punk. Ah oui, non, mais il est impressionnant. C'est pas Et là, on maintenant, part sur. il y a jamais. On est Sur sur Smashville. Smashville, ouais. Avec Funky Dog Voilà, contre ça agresse tout de suite. Là, j'aime bien, ça, c'est mon Smash Bros. Là, il y a de la bagarre, là. Le premier qui fait une erreur, il est mort. En fait, tu sais qu'on est face à deux joueurs qui ont un très bon sens de la conversion. Ils arrivent vraiment à Voilà. convertir toutes les wins neutrales qu'ils ont. Ils arrivent à en faire quelque chose en général. Non, franchement, là, Et on se régale. Hein. on se régale en ce set. Il y a 1-0 pour le Jazz. Et comme dirait Simplay dans le chat, on se régale niveau Smash ce week-end, je peux qu'être heureux. Tu m'étonnes, parce que en plus, après ce stream, on enchaîne directement avec le Genesis. Donc ça, c'est cool. Demain, il y a la Wedge Crown à Nancy. Et Ouais. donc, tournoi à 80. Hein? Et demain soir, la fin de Genesis, comme dirait notre collègue Sakama. Donc, ouais, on est très 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 bien ce week-end, on est bien lotis.
On est vraiment bien. J'espère en tout cas que cette live vous plaît. Alors là, ça joue. Une minute de jeu. On voit que c'est plus équilibré que tout à l'heure. Où déjà, tu avais un lead assez conséquent. Mmh. Là, j'arrive pas trop à voir. Léger avantage à Disco. Mais c'est un peu mieux. Mais Jazz va nous proposer encore, je pense, des. Ouais, c'est beaucoup plus sérieux. Attention, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que Mario, avec sa bonne prime data, il est vraiment redoutable en ledge trap. Il peut réagir très vite. Là, c'est bon. La Disco s'en sort. Attention, au moindre wish comme celui-là qui aurait pu tuer. Ça n'a pas tué, heureusement. Mais attention au kill power de Mario. Là, on est à 11%. Il y a. On voit Disco qui cherche le backer, qui cherche un aérial pour tuer. Là où Mario, il y a son petit shield up smash qui peut faire le taf. Voilà. Très bien vu. Très bonne rythme de roll. On a le down smash qui passe, qui permet de prendre la première stock côté Disco. Disco, Jazz, Punk. Voilà, c'est très musical. Pour l'instant, à l'avantage de Disco, on fait le deuxième game. Disco qui va essayer de commencer à gratter les points. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut gratter à fond. Il faut gratter parce que t'as juste envie de creuser l'écart. C'est ça. Il y arrive très bien, il y arrive très bien. Et là, c'est très bien. Quand je vous ai dit que c'est pas le même discours. Très bonne phase d'edgeguard, même si là on a un bon overshoot avec le backer. De Disco avec une stop d'avance. Qui permet à Jazz de prendre la première stock de Disco. Disco qui active le Sharingan, il commence à lire tout ce que fait son adversaire. C'est impressionnant. Mais n'enterrons pas tout de suite Jasper. Ça reste Mario et c'est fini. Et c'est fini. Et ça fait un partout entre Jasper et Disco Dog. La loser finale, semi-finale qui n'est pas prêt de se terminer et qui offre du beau smash. Hein. Là pour le coup. Là c'est beau. Hein. C'est deux persos très neutrales. Alors c'est intéressant parce que je trouve que ça sent dans la façon de jouer. Tu me dis ce que t'en penses. Ça sent quand même Disco, c'est un mec qui aime le neutral. Et Jazz, c'est un mec qui aime les phases d'avantage. Ouais, c'est ça. Donc, on a un bon, une bonne bagarre à la Goku Vegeta, donc ça, c'est cool. Ouais. Après, en plus, ils ont chacun le perso pour s'exprimer comme ils l'aiment. Ouais, et c'est vachement intéressant parce que les autres sont plutôt précis dans leur jeu. Ouais, c'est très, très, très intéressant. En fait, c'est le genre de match où on dort pas. Ouais, là, on a. Tu peux pas. Même tu clignes des yeux, il se passe quelque chose. Ouais, ouais. On va sur Small BF. Probablement parce que Jazz aimerait avoir les plateformes pour pouvoir exploiter. Oh ouais, ça c'est avantageux pour moi. Oh non, a priori il meurt pas. Ouais, j'ai cru que. Wow. A priori il meurt pas. Dommage, la phase d'Edgar, tu n'auras pas pu continuer. Jazz qui s'en sort bien avec un Rico High. Et en fait, on alterne les phases d'avantage et désavantage, c'est assez fou. Alors, Punchy qui demande, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a écrit Him à côté de leur pseudo, c'est des sponsors. Ah non, en vrai, c'est pas. Ouais, tu as blimé. En fait, c'est simplement des pronoms. C'est pour dire si les personnes qui sont en train de jouer s'identifient comme des mecs ou comme des meufs, tout simplement. Tout ça ou autre, tout simplement. Ah. C'est-à-dire que ça a répondu à ta question, Radict. C'est plus lié au joueur qu'à Smash, en fait. C'est ça. On est donc de retour dans une game qui là est très équilibrée pour le coup. Une minute de jeu, c'est vraiment even. C'est Nara, ouais, c'est ça. C'est vraiment even. On va voir. Là, c'est en clip pour l'instant qu'en premier. Pour l'instant, Disco est bien. Disco est bien, il gère sa phase d'avantage. Maintenant, en fait, je garde le B, le trade. Ok, on remonte. On remonte côté Jazz, on s'en sort. Le match qui va pas passer. Et la dash attack qui va trouver la première stock. Le petit bait et le dashback, dash attack. Petit avantage de Disco, là, comme d'habitude, on va gratter les pourcents. Ouais, on va chercher les aérios safe on shield. On est parti. Jazz qui reste safe, qui envoie ce petit bout de feu, un petit peu d'eau en mode jet. Oh, et le reverse up smash une fois de plus. Qui va prendre la stock. Mario, tu nerfs son up smash, le perso devient nul, j'ai l'impression. C'est assez fou. J'abuse un peu, évidemment. Wow. Ok, on est parti, attention. Allez, bon. Mario, ça va vite. Mario, ça va très vite. Oh là là. Attention, gros commit comme ça, ça peut être très dangereux. C'est pas trop puni pour l'instant, heureusement pour lui. Mais attention malgré tout, parce que côté Jazz. Ok, phase de neutral. Là, j'ai même pas le temps de dire, on est en phase de neutral. En fait, pendant 5 secondes. Mario ne laisse même pas. Ça tue jamais ça. Hein, Il tue tard, mais par contre, ça fait quand même un gros combo. Tu mets 50%, t'es content. Oh, tu grattes bien quand même. Tu manges bien, ça fait plaisir. Oh là là. Et on voit en fait Disco qui joue beaucoup il essaye de bait en fait, t'as vu, il recule. Stamp. Et Jazz Punk qui est beaucoup plus agressif hein, sur cette phase. Ouais. Ah la Disco Dog là il peut pas. Il le laisse pas respirer. Là, Jazz Punk qui cherche les backers. Là ça reste équilibré. Léger avantage pour Disco. Très bien trouvé.
Il n'avait pas encore fait du set. Il a attendu. C'était le moment d'y aller. Déjà, c'est un peu endormi dans sa ricolo, un peu risqué. C'était très bien vu. Maintenant, faut gratter. Ça paraît compliqué ici. Je pense qu'il va mourir. Là, ouais. Là, là Trop qui va quand même tuer. Et là, du coup, on est. On est à even pour cent. On est complètement even dans ce set qui est très équilibré. Hein. On sent deux joueurs. Even pour cent. Franchement, là, on est vraiment sur du Dragon Ball, les amis. Ouais, ouais. On sent deux joueurs qui ont un niveau équilibré et qui se rendent surtout. Les deux arrivent à s'adapter et à trouver à chaque fois des réponses. Il y a des bonnes lectures hein, des deux côtés. Hein. C'est impressionnant. Un peu plus, comme dit, de la part de la lecture est un peu plus de la part du côté de Disco Dog. Mais comme dit, les conversions de Mario. Du coup, là, c'est impossible de vous dire de qui va gagner. Là, tout peut arriver. Là. Ouais, tout peut arriver. Je vois que. Even. Oh là. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que Jazz gagne beaucoup les air to air, les combats dans les airs. Mm. C'est souvent lui qui va gagner avec un up air, puis un back air. Et le up smash en read Tech Chase, c'est très bien trouvé de la part de Disco Dog. T'as fait 2-1. Disco qui a encore activé son Mangekyou Sharingan pour permettre de faire ce up smash et lire sous la casquette de Mario. Ouais, pourtant, on est bien. À la fin. Et tu vois, il y a un truc que j'aime bien. J'aime bien les mecs qui jouent Mario. Mario avec le premier skin. C'est en mode, les gars, j'ai pas le temps pour tous vos persos en fait. Moi, je prends le perso originel. Je prends le Mario rouge. Merci. Y'a pas de on met les casquettes, on met les chapeaux, voilà. Le mariage, je sais pas quoi. Ça fait plaisir. On est parti, on est en game 4. Et on est sur. On est toujours sur FBF. Parce que bon, on a bien vu que c'est pas la map le problème, clairement. C'est une question de prise de décision dans certains moments clés. On va voir comment Jazz va répondre à ça. Léger avantage déjà, bon avantage en vrai pour Disco, pour Dark Pit, qui va maintenir sa phase de ledge trap. Attention parce que c'est quand même une des phases où Dark Pit peut briller. Hein. Tout ce qui est edgeguard, tout ce qui est jeu hors du terrain. Il a 5 sauts, il a un projectile, il a une bonne portée, il a des disjoints. Le fer qui a failli passer là. Très bien trouvé. Très bien trouvé la rune qui est prise par le smash. Franchement, ces deux-là, ils nous régalent. C'est super serré dans un très beau set. Il y a plus de neutral carrément, il y a plus de respect là, tu vois. Je trouve qu'il y a plus de respect. Les premières games, vraiment, ça se tapait, tu vois. C'était bien, très bien trouvé le up smash. Il suffit que je laisse la viande. Il suffit que je parle de respect pour faire up smash nature sans préliminaire. On y va, up smash, c'est parti. Et là, on est là. Disco qui prend l'avantage, maintenant il faut gratter monsieur, il faut gratter. Ça va être dur parce que derrière on a un reverse up smash qui touche très loin derrière. La phase, les le back air qui va prendre. On a juste gratté 14,5%. La Disco là il va continuer sa petite phase. Ouais. Très bien trouvé. Le petit nerf, les petits combos. En fait là c'est bien ce que fait Disco, en fait il arrive à bien spacer ses coups. Ça fait que il est dur à toucher, tu vois. Il est dur à toucher et là il prend un avantage très solide, il est à quasiment 100% d'avance. En fait, quand je vois jouer Disco Dog, je sens que chaque coup n'est pas au hasard. Il sait très très bien ce qu'il fait. Ouais. Et là tu vois, Jazz il ralentit le tempo, c'est très bien ce qu'il fait parce que il voit qu'il est un peu en train de se noyer, donc il ralentit, il cherche des solutions. Ouh, il a voulu mettre une patate là. Ouais, et tout de suite à la faveur d'un combo, ça aurait pu lui sauver la vie. Ça aurait pu prendre celle de Disco en l'occurrence, et on le voit toujours les ladder combo de Mario, mais Pete qui s'échappe bien, Disco qui s'échappe bien pour éviter le piège du fer, la patate dans la bouche. Donc on retourne neutral, les deux qui se regardent, qui vont tenter des coups safe pour trouver des ouvertures. On est bien là côté Disco, attention à cette flèche. On a plus de saut côté Jazz, mais on remonte, on s'en sort. Et attention, une pompe plus à roller. J'ai pris le smash. Ok, effectivement, c'est dommage, j'avais un punch à prendre. Attention à Jazz, l'habitude de rolling sur les plateformes. On a pris cette info côté Disco. Et attention au reverse back air. On sortit une clé qui va pas tuer. Ça se tape. Ah, le fer là qui aurait pu être fatal. Hein. Disco. Toujours l'avantage à Disco, mais Mario est en rage. Et puis t'arrives. Il n'est plus en rage. Pas tué cette fois avec la dash attack. Ça passe. On va voir ce qui va se passer là côté Jazz. Alors Jazz qui a un peu du mal en fait. J'ai l'impression que le manque de portée de Mario ne l'aide pas. Là tu vois, Jazz il commence un peu à s'impatienter. À proposer des réponses qui sont pas les bonnes. Ouais, et là on le voit, il a fait 2 EP, là il fait un smash. Il veut vite, tu vois qu'il veut, tu sens qu'il veut vite prendre la stock. Ouais, et c'est ça le souci. En fait, il se met en kill mode et il y a rien de plus dangereux que de te mettre en kill mode parce que là du coup tu fais nimp et ton adversaire il a plus qu'à attendre et à en profiter. Donc à voir ce qui va se passer.
Et là, là, on a une avance très confortable. Hein. Côté Disco, on est bien. Le multi-jab qui va permettre de maintenir l'écart et la situation d'avantage. Ok, on revient bien. Très bien trouvé. Le back-air est très bien trouvé. Il est très fort. Ce back-air est très fort. Le up smash qui prend la stock. C'est pas fini. Avec Mario, c'est jamais fini. Ouais, et en plus, on l'a vu tout à l'heure. Dark Pit peut avoir du mal à tuer. Ouais. Tout à l'heure, Mario était à 160%. Donc, on sait pas. Repère, faire. Ça peut tuer très vite côté Mario. Jazz, il a de la ressource, on sait, on l'a déjà vu, notamment aujourd'hui, c'est un autre set. Donc, attention. On est sur une potentielle dernière stock de loser semi et de tournoi pour Jazz. Ne l'enterrons pas trop vite. En fait, Disco, là, j'ai l'impression qu'il est malheureusement condamné à attendre une erreur, comme celle-ci. Et encore le up smash qui viendra. Comme celle-ci, le up smash, une fois de plus, sur la tech chase, sur une plateforme. C'était très bien trouvé. Et Disco qui s'en va en finale contre Otakuni. C'est vrai, ouais. Là, j'ai pas vu que c'est Fenrir qui est en grande finale, oui. Fenrir est trop chaud.